Je sais qu'elle était... Je sais qu'elle a été déçue. Je sais qu'elle est née en 1945. Je sais qu'elle était en été. Je sais qu'elle était en été en 1982. Je sais qu'en septembre, elle entreprend de reprendre des cours. Je sais qu'elle est âgée de 37 ans. Je sais qu'elle s'enquiert. Elle s'informe. Elle se renseigne. Elle envisage une formation de couture. Elle téléphone à l'école de la femme prévoyante. Elle se rend rue d'Archy. Elle remplit des formulaires. Elle parle avec la vice-directrice. Elle a un horaire. Elle en parle à son mari. Elle s'en ouvre à ses enfants. Elle mesure la compatibilité de ses cours avec sa vie de ménagère. Je sais qu'elle est rue Vinave. Je sais qu'elle attend le bus. Le 33, le 29. Elle se rend au centre-ville. Du pont d'Avroy, elle marche à la rue d'Archy. Elle suit des cours le mardi de 18 à 20 heures, le jeudi de 19 à 21 heures. Elle travaille sur un premier modèle, la jupe Romy. J'imagine que c'est en écho à Romy Schneider. Elle mesure. Elle arpente. Longueur, corsage, devant. Longueur, corsage, dos. Longueur, épaule, juste. Longueur, épaule, idéalisée. Un demi contour, carrure, dos. Un demi-contour, carrure devant. Un demi-contour, poitrine. Écart poitrine, hauteur poitrine. Un demi-contour, taille. Un demi-contour, petite hanche. Un demi-contour, bassin. 16, 21, 18,5, 48, 49, 56,5, 39, 50, 48, 62, 60,5. Contour poignet. Longueur manche. Longueur jambe devant. Longueur jambe côté, longueur jambe dos, fourche pour salopette, fourche pour pantalon, fourche pour jupe culotte, longueur séant, plus 20. Je sais qu'à l'approche de l'automne, elle éprouve une lassitude. Elle ne parvient pas à mener les deux activités de front. Elle s'en ouvre à son époux. Il ne tient pas à ce qu'elle persévère. Il lui dit « Tu peux arrêter ». Elle revient à domicile. Elle a des exemplaires de morceaux de tissu. Elle les découpe, elle les ajuste, elle les mesure. Elle essaie un modèle sur une Barbie de la nièce de son fils. Elle réussit. Elle est assez fière de son travail. Je sais qu'à l'été 1983, son mari lui propose des vacances à Majorque. Ils ont loué une résidence,
pendant 15 jours à Puerto de Soler. Plan de travail de la jupe romaine. Choix du tissu. Tissu uni et souple. Flanelle, gabardine, toile. Laine ou polyester. Approvisionnement, tissu. Une tirette de 20 cm, une doublure, une soie, une agrafe à riveter ou un bouton. Coupe des différentes pièces. Voir plan, voir coupe. Indiquer les contours, au carbone blanc, à la roulette, passer un fil, au milieu, devant, à la taille, à l'ourlet, à l'emplacement de la poche. Réalisation. Réaliser les poches, fermer les plis devant, épingler, piquer les pinces au dos. Épingler, piquer, couture, milieu, devant, couture, milieu, dos. Repasser, repiquer, dépiquer. Préparer la ceinture. Faufiler les contours côtés. Passer un fil de faufilure pour ouvrir les réserves. Faufiler l'ourlet. Essayage. Vérifier les longueurs, l'aplomb, le creux de la taille. Correction. Mise à plat. Mise en double. Mise en carbone à la roulette. Correction des patrons. Réalisation de la jupe. Défaufiler l'ourlet. Piquer les coutures côtées, égaliser, surfiler les réserves de couture, poser la tirette, soit de façon braguette, au milieu, devant, soit invisible, au milieu, dos. Confectionner la doublure. Je sais qu'il passe les journées sur la plage. Je sais que les deux enfants aiment la plage. Ils y vont le matin. Ils rentrent à la résidence à midi. Ils mangent léger. Ils retournent à la plage après, vers 15h, vers 16h. Je sais que le soir, il fréquente le restaurant de l'hôtel. Le menu du 22 juillet 1983, crème de petits pois, ou chou-fleur mornay, ou gazpacho andalou, suivi d'une dinde, rôti au jus, courgette à la provençale, ou darne de colin. Sauce mayonnaise, pommes vapeur ou jambon de York avec salade, fruits ou yaourt ou glace. Souper du 23 juillet, velouté garbure, légumes à la vapeur, consommé aux pâtes, poulet en cocotte, godard, croquettes de poisson, sauce, concasse. Assortiment de viande froide, fruits ou flan ou ananas. Dîner du 24 juillet, sardines frites au citron ou blettes à la catalane ou gazpacho andalou, fricandeau de veau duchesse ou foie de porc à l'ail ou jambon de York avec salade. Je sais qu'en date du 26 juillet, ils sont invités dans une autre résidence, sur le côté ouest de Lens.
se rend à l'hôtel Splendido. Ils sont invités pour un repas qui reprend peu ou prou les menus des jours précédents. Le repas débute par un vin fin de Xérès. Il est suivi d'une soupe de poisson mallorquine à l'ancienne. Il est suivi d'un roast beef au jus parfumé, à la moutarde, accompagné de pommes rissolées. Il se termine par un dessert, étant un biscuit glacé au chocolat. Je sais qu'au cours de la même soirée, ils partagent un porto sur la terrasse de l'hôtel Splendido. Je sais qu'il s'agit d'un couple de Ninov. Je sais que le monsieur travaille à Roulers, dans l'usine qui fabrique des CCML. Je sais que sa femme est assistante sociale. Je sais qu'au cours de la matinée du 27 juillet, les deux familles se réunissent sur la plage à 11h. Ils entreprennent une balade en canoë gonflable sur la mer qui est calme, étale, peu de moutons. Le drapeau est jaune, la baignade autorisée, recommandée. Je sais que les enfants du couple de la rue Vinave et ceux de Ninov s'entendent bien. Ourdissent des plans, entreprennent une cabane avec des morceaux de bambou. Je sais qu'au début de la seconde semaine de vacances, des tiraillements traversent le couple. Elle voudrait reprendre des cours de couture à la rentrée. Son mari dit « Une fois ne t'a pas suffi ». Je sais qu'elle n'est plus vraiment heureuse. Je sais que les enfants continuent leur scolarité dans la même école. Je sais qu'en date du 29 juillet, ils se rendent à une soirée sur le côté nord de Lens, du port de Solaire. Je sais qu'ils sont invités chez d'autres Belges qui viennent de Bastogne. Il y a une trentaine de personnes à cette soirée. Il y a des Anglais en couple qui viennent de Southampton. Elle s'appelle Liz. Elle s'appelle Arnold. Je sais qu'elle parle avec Arnold sur la terrasse, qu'il regarde la mer, qu'il regarde la anse du Puerto Solaire. Je sais que le soleil est couchant. Je sais qu'il lui dit des choses. Je sais qu'elle retourne au bar. Elle va voir son mari. Elle lui dit « Où étais-tu ?» Je sais qu'elle mange des morceaux d'ananas. Je sais qu'elle lit conversation avec une série de gens, des Hollandais, d'autres
anglais de Southampton, des Bastoniards, des Namurois aussi. Je sais que Arnold lui dit en anglais, we're half awake in a fake empire. Je sais qu'elle ne comprend pas. Je sais qu'il sait qu'elle ne comprend pas. Il traduit, nous sommes à moitié éveillés dans un faux empire. Nous sommes à moitié éveillés dans un faux empire. Nous sommes à moitié éveillés dans un faux empire. Dans un faux empire. Nous sommes à moitié éveillés dans un faux empire. Nous sommes à moitié éveillés dans un faux empire. Nous sommes à moitié éveillés dans un faux empire. Nous sommes à moitié éveillés dans un faux empire. Albert H. obtiendra son diplôme en juin 1994, soit plus de 10 ans après Puerto Soler.